Salut à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, des mois peut-être, des semaines ou des mois, je ne sais plus. On est, vous le voyez, on est dans un nouveau lieu. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que je déménage personnellement, donc quitter mon petit studio à la maison. Et là, on est à Cowork. Coworking Grenoble, qui est le meilleur espace de coworking de Grenoble, et je profite simplement du lieu pour faire cette nouvelle vidéo. Bienvenue, on est IDTalks numéro je sais plus combien, à bientôt. IDTalks numéro 38. IDTalks numéro 38, 38 comme l'Isère, ici à Grenoble. Et l'idée, c'est de parler aujourd'hui de l'innovation dans la communication touristique. Ce que je veux dire par là, c'est que on a des vrais enjeux aujourd'hui d'innovation, et pas d'innovation technologique, comme vous allez le voir, dans la com pour faire valoir, mettre en avant, promouvoir les destinations touristiques. Donc je fais un petit coucou à Virginie qui m'a donné l'idée de ce talk hier sur Twitter, et on va parler de ça. Et donc ces dernières semaines, moi je suis beaucoup intervenu dans différents événements, que ce soit le centenaire du congrès des offices de tourisme de France, que ce soit sur les universités du tourisme durable à La Rochelle, ou encore la semaine dernière à Pau, sur la 15e édition des rencontres du e-tourisme, un événement incontournable, 900 personnes, 900 techniciens d'office de tourisme qui viennent pour échanger, pour construire, pour trouver des idées par rapport à la question du tourisme numérique. Et en introduction de cet événement, il y a eu lieu la première édition du festival Wonder France Festival sur les vidéos de destinations touristiques. Assez intéressant dans le concept, mais ce que moi j'ai ressenti en fait en voyant une heure de vidéo de destination touristique, eh ben c'est qu'il y avait quand même beaucoup de drones et très peu d'histoires. Et ça m'a un petit peu ennuyé, pour ne pas dire autre chose. Et j'étais pas le seul. Sur Twitter, en fait, on réagissait pendant les vidéos. Il y a beaucoup de gens qui disaient « Mais elles sont où les histoires ? C'est quand même un peu dommage, etc. » Et le problème derrière ça, c'est quand même qu'on veut des histoires. Et nous, on voyait beaucoup de drones, beaucoup de musique un peu en libre de droit, etc. Et c'était un petit peu dommage. Et d'ailleurs, au final, le jury, il a récompensé qui ? Bah surtout des vidéos où les gens disaient « Bah c'est fou en fait, mais il n'y a pas de drone, ça c'était bien quoi ». Et donc là, on se disait « Mais mince alors, elles sont où les histoires ? Elles sont où ? Ils sont où les scénarios où on met en avant des gens ?» Et c'est ça où, pour moi, l'innovation aujourd'hui dans la com, c'est de remettre les gens en fait en avant, les histoires, et pas uniquement en fait les destinations et les paysages. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Et en fait, moi, ce que je voudrais voir plus dans des vidéos, vraiment sur ce côté voir, dans l'anticipation et quand on veut aller dans des endroits, c'est de voir des gens, qui me parlent, qui racontent des histoires, des émotions en fait qui sont partagées. Et ça, je trouve que ça manquait en fait sur ce festival. Bien sûr, c'était le thème de mettre pas de parole en fait, mais moi je trouve que ça manquait énormément. Et là-dessus, eh ben, je regardais dernièrement une superbe vidéo qui n'est pas dans le tourisme, mais c'est les 10 ans de l'entreprise Picture, comme le t-shirt ici. Et en fait, cette vidéo, elle est géniale. Il y a de la vie, il y a de l'humain, il y a des histoires, il y a des émotions, il y a de la fraîcheur. Et ça, c'est une vidéo que j'aimerais voir aussi dans le tourisme aujourd'hui pour promouvoir les destinations avec des habitants, avec des gens qui se bougent en local. Et ça, ce serait vraiment super en fait d'avoir beaucoup plus ce genre de choses. Et enfin, quand on parle d'innovation dans la com touristique, il y a quelque chose qui nous manque et que je trouve assez dingue ces derniers temps, c'est qu'on parle énormément des podcasts. Et les podcasts, en fait, il suffit d'aller écouter du Thinkerview, ou derrière, en fait, on va rester pendant 1h40 à écouter un mec parler en fait d'un sujet, et c'est passionnant. Et bien, dans le tourisme, il y a vraiment peu d'éléments. Ce matin, j'écoutais encore un des derniers podcasts des baladeurs, donc des Others, sur Jérémy Villiers, qui partait à la rencontre du loup dans le Yukon, dans le Grand Nord canadien, en plein hiver.
et c'est juste passionnant. 50 minutes en fait où il va te raconter une histoire, il te fait frémir en fait sur cette rencontre avec ce gros loup, et derrière en fait t'as juste à la fin envie de dire moi j'ai envie de venir avec lui quoi. Et ça au final on ne vend pas directement la destination, mais elle est toujours là parce qu'en fait c'est là où t'as l'environnement qui est présent. Et ça c'est vraiment hyper intéressant. Aken, l'entreprise en fait de Laurence, que je mets ici en lien, travaille en ce moment avec la Vendée Vallée sur cette question en fait de développer un podcast de destination. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et après, sur la question de la lecture, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai lu des newsletters attractives qui parlent en fait, indirectement ou directement, d'une destination touristique? Et je trouve que là, bah, Ça manque de positionnement, de charte éditoriale un peu sympa, marrante, où derrière on a envie de prendre du plaisir à lire ça et de partir derrière un peu en voyage. Donc voilà quelques éléments. Moi je suis surtout ouvert. Dites-moi, écrivez-moi en commentaire en fait sous la vidéo, quelles sont vous les choses vraiment qui vous ont touché, qui sont chouettes à écouter, à lire, à regarder et qui forment une vraie question d'innovation dans la communication touristique. À bientôt. En conclusion, un petit truc, c'est que chez nous, à ID Tourisme, on est aussi en train d'innover sur nos questions de communication et vous allez pouvoir trouver tout un nouvel univers de branding autour d'ID Tourisme, à la fois sur notre site internet, sur notre blog. Et donc tout ça, c'est mis à jour cette semaine, donc profitez-en pour aller voir. Si vous voyez des petits bugs et des petites coquilles, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et n'hésitez pas à faire un petit retour. Allez, à bientôt.